Il faut que Christ redevienne vivant en vous. Nous avons besoin que Christ soit vivant en nous. Et c'est le ministère du Saint-Esprit que de nous conduire dans la foi, dans la révélation de la vie de Christ en nous. C'est pourquoi nous devons comprendre un élément fondamental. Personne ne peut servir Dieu avec succès s'il n'est violent pour Dieu. C'est quand on est dans le temps de Dieu, alors quand on fait la chose ou qu'on prie, ça marche et ça produit un fruit. Je crois que dans l'Ancien Testament, lorsque nous voyons le prophète venir oindre le roi, oindre les prophètes, oindre David, etc., il y a des onctions qui ont dû se passer dans la simplicité. Où le prophète est arrivé et a dit « Il faut que je te oigne !» Et simplement, boum, ça s'est passé, ils ont hein, et ni de torrent de, d'eau, ni de tonnerre, ni de tremblement de terre, mais le timing de Dieu. Quand Dieu est favorable et dit « C'est mon heure !» Ce n'est pas notre heure à nous, c'est l'heure de Dieu qui devient notre heure. Notre heure est d'abord l'heure de Dieu dans sa saison et dans son timing. Quand je dis « c'est mon heure », c'est parce que c'est l'heure de Dieu pour moi. Ce n'est pas moi qui ai décidé. C'est moi qui rentre dans le plan, l'architecture merveilleuse, inébranlable, du temps de Dieu. C'est extraordinaire de savoir que le Seigneur a tellement de projets pour chacun d'entre nous et que nous avons tous réellement un avenir béni qui est prêt. Mais il faut entrer dans son avenir. Il faut entrer dans son avenir. Ce n'est pas le tout de dire « Seigneur, j'ai reçu une promesse » ou « Seigneur, j'ai eu un réma, j'ai eu une lucidité comme cela et je sens que tu m'as parlé sur tel point, sur telle œuvre, sur le fait qu'il faut que je fasse telle chose. » Bien, ça vient de Dieu. Mais si vous attendez que le Seigneur vous attrape et vous mette là-dedans, non, ça ne marchera pas. Le Seigneur ouvre une porte et c'est à nous de nous y engager. Il y a la bénédiction de Dieu et la volonté de l'homme. La bénédiction de Dieu est toujours la rencontre avec la volonté de l'homme. La malédiction est toujours la rencontre d'une volonté. Mais la bénédiction est toujours aussi la rencontre d'une volonté. Dieu annonce sa bénédiction, Dieu répand sa bénédiction, et l'homme a le choix d'entrer ou de ne pas entrer. D'entrer partiellement, d'entrer totalement. C'est pourquoi Dieu dira « avance en pleine eau ». Parce que la bénédiction est comme une mer étendue devant nous et nous sommes sur le rivage. Et Dieu dit « c'est à toi ». Cet océan est à toi. Engage-toi. Alors il y a des gens qui viennent et qui trempent juste les pieds. Et il y a des gens qui trempent jusqu'aux genoux. Et il y a des gens qui vont jusqu'à tremper jusqu'au torse. Et d'autres qui vont nager dans la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu nous est proposée. Elle nous est donnée sous forme de proposition. Il y a la bénédiction que nous recevons parce que nous sommes déjà engagés avec Dieu, mais la vraie bénédiction, c'est celle dans laquelle nous entrons nous-mêmes lorsque nous reconnaissons ce qui nous appartient et que nous nous emparons de ce qui nous appartient. J'ai vu des gens recevoir des prophéties toute leur vie et ne jamais rentrer dans la prophétie. Et on dira, oh, c'était fausse prophétie, impossible. Impossible. Quand vous recevez des paroles d'un homme de Dieu, et que quelque temps après, un homme de Dieu ou un chrétien affermi qui ne vous connaît pas, vous donne exactement les mêmes paroles, comment vous pouvez dire que ça c'est un hasard, ou que ça ne vient pas de Dieu? Alors on cumule les paroles d'encouragement et les prophéties, et on dit, rien ne se passe. Parce qu'à un moment, il faut la rencontre de notre volonté avec la prophétie de Dieu. Il y a la prophétie qui s'accomplit sans qu'il y ait besoin que l'homme
y mettre sa volonté, son désir ou son refus. Mais toutes les prophéties liées à nos bénédictions sont liées aussi à l'engagement de notre volonté et à notre capacité à nous emparer des choses. C'est pourquoi il est dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Dans l'Ancien Testament, la violence spirituelle, 1, n'était pas permise, 2, ne servait à rien. Écoutez bien. Quand le texte dit « ce sont les violents », nous devons comprendre que c'est une bénédiction pour nous qui sommes en Jésus-Christ et qui bénéficions de l'Esprit-Saint répandu sur toute chair. Dans l'Ancien Testament, tous n'avaient pas part au Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit était la semence de Christ. Le ministère du Saint-Esprit, c'était de conserver la semence de Christ. Le ministère du Saint-Esprit n'avait pas pour but d'agir avec les humains, excepté pour les sacrificateurs, les prophètes et les rois. Mais pour l'ensemble du peuple, pour les païens, n'en parlons pas, ils n'avaient pas part au Saint-Esprit. Mais pour le peuple de Dieu, ils n'y avaient pas part au Saint-Esprit, s'ils ne faisaient pas partie de cette catégorie-là, du sacrificateur, du prophète et du roi. Et donc, nous voyons que le ministère du Saint-Esprit sur la terre n'était pas un ministère de proximité avec les gens. Le ministère du Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, était un ministère qui avait pour but, car le Saint-Esprit était sur terre, et il travaillait pour Dieu, et il était en œuvre. Le Saint-Esprit était en œuvre, ce qui fait que nous pouvons parler du ministère de l'Esprit. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il est parlé du ministère du Saint-Esprit. C'est-à-dire du travail, de la fonction. Le Saint-Esprit est soumis à l'ordre de Dieu. Et dans cette soumission, il a une fonction. Et le Saint-Esprit ne sort pas de sa fonction. Le Saint-Esprit n'a pas revendiqué de venir dans un corps de chair et de mourir à la croix. Ce n'était pas son ministère et sa fonction. C'est Jésus qui l'a fait. Le ministère du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament est resté dans la contrainte de la loi et du plan de Dieu qui ne voulait pas que l'Esprit soit répandu sur toute chair. C'est simplement après la mort de Jésus. Dans l'Ancien Testament, le ministère du Saint-Esprit était de conserver la semence. Et dans le Nouveau Testament, le ministère du Saint-Esprit est de révéler la semence et de la communiquer. De quoi est-ce que nous parlons? Lorsque nous parlons de semence, au sens le plus saint du terme, dans la Bible, il est question de Jésus-Christ, le germe. La semence, le germe, c'est Jésus. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, partout, vous devez comprendre qu'il y a l'empreinte de la révélation de Jésus, l'empreinte prophétique de ce qu'il fera, et donc ce qu'il a fait pour nous, l'empreinte prophétique de qui il est, quels sont ses attributs, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce que le Messie fonctionne, comment est-ce qu'il travaille avec les hommes, quel est son objectif, son ministère. Quand vous lisez l'Ancien Testament, il ne faut pas lire comme une histoire d'Israël, une histoire biblique, aussi belle soit-elle. Nous ne devons pas lire l'histoire d'un peuple. Même si l'histoire nous rapporte vraiment ce qu'a été le peuple, mais nous devons lire la révélation de Jésus.
tout l'Ancien Testament nous révèle qui est le Messie. Toutes les histoires de l'Ancien Testament ont été produites, ont été dirigées par le Saint-Esprit, qui, à travers l'histoire du peuple juif, a conservé la semence de Christ. Le Saint-Esprit n'était pas révélé au milieu des hommes et n'avait pas un ministère visible, comme il peut l'avoir aujourd'hui. Le ministère du Saint-Esprit était quasi invisible. Et ce que le Saint-Esprit a fait dans l'Ancien Testament, c'est qu'il a préservé dans toutes les histoires des prophètes, des rois, des sacrificateurs d'Israël, il a préservé l'empreinte de la révélation de Jésus. Toutes les histoires que nous voyons avec David, tout ce que David a vécu, il l'a vécu parce que quelque chose a conduit les événements de sa vie. Parce que la providence de Dieu a conduit les histoires de sa vie afin de nous révéler à travers ces histoires Jésus-Christ. Ce qui s'est passé lorsque Israël a traversé le Jourdain n'est pas une belle histoire miraculeuse, c'est bien plus que ça. C'est une révélation de ce que Jésus fait avec nous lorsqu'il nous fait passer des ténèbres à la lumière, du désert, de la pauvreté de nos vies à la terre promise. Quand ils ont battu Jéricho, la semence de Christ était là dans l'histoire de la bataille de Jéricho. Quand ils ont eu des batailles pour conquérir la terre promise, dans chaque bataille, nous voyons les principes spirituels de comment nous allons vaincre avec le Messie, qui est pour nous Jésus-Christ. Le ministère de l'Esprit dans l'Ancien Testament est de préserver la semence de Christ dans toutes les histoires, dans tout ce qui arrive, dans toutes les victoires, dans toutes les défaites, l'apprentissage de comment se relever avec Christ. Les défaites ont en eux-mêmes l'empreinte de la révélation de comment se relever avec Christ. La défaite n'est pas négative. Nous devons voir toutes les chutes d'Israël comme des révélations pour savoir comment se relever. Le ministère du Saint-Esprit a préservé la semence. Il n'était donc pas permis au peuple de faire des actes de violence, spirituellement parlant, pour vaincre le diable ou pour conquérir le monde avec la parole de Dieu. C'est seulement dans le Nouveau Testament que le Saint-Esprit est entré dans un nouveau ministère, dans un nouveau service, dans une nouvelle fonction. Le Saint-Esprit n'avait plus besoin de préserver l'empreinte de la semence et l'histoire de l'Ancien Testament s'est arrêtée. Parce que Christ est venu et parce que les Juifs n'ont pas pu écrire au-delà de Malachie. Ils n'ont pas pu aller plus loin dans la canonisation des écrits de la Torah, de l'Ancien Testament. Tout s'est arrêté à Malachie. Parce que le Saint-Esprit a commencé à se détacher, il n'avait plus besoin de préserver la semence, il fallait maintenant qu'il soit là pour envoyer de la part de Dieu et donner la semence dans le corps de Marie. Marie était vierge et elle est devenue enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avait préservé l'idée du Messie, avait préservé l'enseignement et toute l'empreinte du Messie. Et puis quand le jour est venu, le Saint-Esprit a participé afin que le miracle se produise. Et la semence est devenue vie. Et au moment où la semence est devenue vie, le Saint-Esprit a attendu que la semence meure en terre pour revivre.
et porter du fruit et devenir un arbre qui depuis 2000 ans n'a jamais pu être déraciné. Oh, jamais, jamais déraciné. Le Messie n'était plus simplement une histoire de prophétie. Le Messie était devenu réalité. Et le Saint-Esprit ne sera plus avec les Juifs pour continuer à écrire l'histoire de l'Ancien Testament ou pour continuer à écrire le livre. Mais le Saint-Esprit était avec les apôtres pour commencer une nouvelle histoire. Pourquoi est-ce que nous disons cela? Parce qu'il n'était pas permis d'avoir des violences spirituelles dans l'Ancien Testament. Parce que le peuple n'avait pas part au sacerdoce. Le peuple n'avait pas part à l'œuvre de Dieu. Ils servaient, ils honoraient Dieu par des sacrifices, mais ils n'avaient pas part à l'œuvre de Dieu. Ils ne pouvaient pas toucher à l'œuvre de Dieu. Mais maintenant, nous qui avons eu la révélation du nouveau, si on peut appeler cela ainsi, du nouveau caractère du ministère de Jésus, ministère qui est de révéler, de donner et d'influer, de souffler, non plus l'espérance de la semence, mais de donner la puissance de la semence dans les cœurs. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous révèle Christ, nous permet de recevoir Christ. C'est pourquoi le Saint-Esprit rend la présence de Christ réelle dans nos cœurs. C'est pourquoi le Saint-Esprit en nous, nous ouvre la voie du service. Nous ouvre la voie du combat spirituel. Et nous dit maintenant, il n'y a plus de semence prophétique à protéger, il y a une semence qui est réelle, qu'il faut distribuer. Il faut que Christ devienne vivant en vous. Nous avons besoin que Christ soit vivant en nous. Et c'est le ministère du Saint-Esprit que de nous conduire dans la foi, dans la révélation de la vie de Christ en nous. C'est pourquoi nous devons comprendre un élément fondamental. Personne ne peut servir Dieu avec succès s'il n'est violent pour Dieu. Celui qui attend et qui reste à rien faire se trouve dans une position ancien testamentaire. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu nous confie les clés de son royaume. Dieu nous confie les clés de la puissance. Dieu nous confie les clés du combat. Et Dieu nous dit, vas-y. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Depuis le temps de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a marqué l'arrêt de toute une saison de Dieu, de toute une période. Jean-Baptiste a marqué l'arrêt définitif de toute une période. Et savez-vous comment? Pour la première fois, un prophète a appelé les païens et les gens des autres nations à se convertir et à se donner à Dieu, par un changement de vie marqué par le baptême. Oh mon Dieu, depuis le temps de Jean-Baptiste, avant ce n'était pas possible, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. My God. Avant, seulement une élite pouvait accéder à la puissance de Dieu, pouvait accéder au Saint-Esprit. Et il n'y avait pas besoin de forcer. Je vais vous dire pourquoi. Comme je vous l'ai expliqué, le ministère du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament était de préserver la semence. C'était le point fort. Mais dans le ministère de l'Esprit, il y avait aussi une autre chose. L'Esprit agissait à travers les sacrificateurs, les prophètes et les rois. Et il n'y avait pas besoin de forcer, excepté pour les prophètes, qui sont aussi l'image de l'empreinte de la grâce à venir. Mais nous n'allons pas aller sur ce terrain. Je veux simplement expliquer que pour un sacrificateur, un lévite,
il fallait qu'il soit déjà dans la descendance. Il fallait qu'il soit de famille choisie. On ne devait pas forcer. Quelqu'un qui n'était pas de la lignée, qui était simplement du peuple, ne pouvait pas venir et forcer les portes en disant « Je veux être un sacrificateur !» Même s'il forçait les portes restaient verrouillées. Il ne pouvait pas devenir un sacrificateur parce qu'il fallait que son père soit sacrificateur. Il fallait qu'il soit issu de la famille des sacrificateurs. La royauté, il fallait que ton père ou ton grand-père soit déjà roi. Tu ne peux pas venir comme ça et dire « Je vais être roi, je vais faire une candidature. » Il faut qu'il y ait un choix, une lignée particulière. On ne pouvait pas forcer. On ne pouvait pas s'engager. Il y avait un lien par rapport à un héritage. Mais dans le Nouveau Testament, la porte est ouverte à tout le monde. Pas besoin que papa, que maman soient déjà chrétiens. Pas besoin que mon père ait été pasteur. Pas besoin que mon grand-père ait été pasteur. Pas besoin que je sorte de la lignée de telle tribu juive. Je peux être un païen issu des nations. Je peux arriver comme ça des nations et n'avoir aucun bagage, aucun héritage spirituel, aucune promesse sur la vie de mes ancêtres. Je peux sortir de nulle part et le Saint-Esprit peut me saisir. Donc la porte est ouverte à tous. Et comme la porte est ouverte à tous, alors Dieu dit, il y a une ligne. Et maintenant, ceux qui voudront servir devront passer cette ligne. Il faut forcer. Il faut être violent pour Dieu. Maintenant, la violence est de rigueur. Ce n'est pas une violence physique, dans le sens où on ne va pas battre son frère, sa sœur, on ne va pas jouer du coude pour prendre la place du pasteur. C'est une violence contre les démons et contre soi-même. Ce n'est pas une violence contre un système, ce n'est pas une violence contre quelqu'un qui a déjà une place. C'est une violence contre les puissances démoniaques et contre soi-même. C'est une violence spirituelle pour accepter que Dieu fasse de moi un sacrificateur, même si je n'ai aucune capacité, si je n'ai aucune promesse dans ma famille, si j'arrive de nulle part. C'est pourquoi maintenant, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Écoutez bien, depuis le temps, jusqu'à présent, l'auteur ne limite pas sa phrase au présent de son époque. Il limite le présent aussi loin que les gens pourront lire ce texte. Aujourd'hui, il est question du présent. Depuis 2000 ans, jusqu'à maintenant, jusque dans ce temps où tu te trouves, où je me trouve, le royaume des cieux est pour les violents. C'est-à-dire que Dieu fixe une ligne. Il appelle, venez. Il y a des bénédictions de service. Il envoie, Dieu envoie des prophéties. Dieu envoie des rémas dans ta vie. Il ouvre ton esprit afin que tu te dises, je sais que Dieu veut que je le fasse. Mais si tu attends qu'on te prenne par la main, tu vas attendre longtemps. Il faut entrer dans la promesse de Dieu. Il faut entrer dans le service de Dieu. Il faut entrer dans l'esprit prophétique. Il faut forcer les portes. Non pas jouer les coudes. Non pas tromper les gens. Mais il faut commencer à croire dans son appel. J'ai vu des gens avoir des appels et garder leur appel dans leur poche jusqu'à leur dernier souffle. Et on dira, Dieu n'avait pas parlé, oui Dieu avait parlé. Dieu ne les avait pas appelés, oui Dieu les avait appelés. Seulement ils n'ont pas compris que c'est impossible de servir Dieu sans un acte de foi. Dans l'Ancien Testament, pour servir Dieu, il fallait l'acte de paternité. Aujourd'hui, il faut l'acte de foi. Peut-être pour servir Dieu, vous attendez un acte écrit du pasteur. Vous attendez peut-être un acte
écrit d'un mouvement. Peut-être vous vous dites, j'irai à l'école biblique, je m'assoirai, j'étudierai, et puis à la fin, on me donnera un acte qui me permettra de faire. Oh, oh mon ami, contre les démons, il n'y a aucun acte écrit, si ce n'est ce qui a été écrit sur la croix de Jésus-Christ, le roi des Juifs. Jésus crucifié pour toi. Je crois dans l'importance des écoles bibliques. Mais je dis et je redis et j'affirme qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Aller à l'école biblique si on n'a pas un appel pour servir Dieu, ça ne sert à rien. Aller à l'école biblique pensant que l'école biblique va nous moindre, ça c'est faux. Il faut recevoir l'appel, accepter d'y entrer et s'équiper. L'école biblique est un équipement pour ceux qui sont déjà loin et appelés. Ce sont les violents. Si Dieu t'a dit de faire quelque chose, si Dieu t'a donné des promesses, entre dans tes promesses. Il faut rendre vivant la prophétie par l'acte de foi personnel. Il faut rendre vrai l'esprit de la prophétie par l'engagement personnel. Il faut rendre réalité et vivante la bénédiction de Dieu par la volonté personnelle d'entrer dans ce que Dieu m'a promis. Dieu ouvre une porte et il faut franchir une ligne. Et franchir cette ligne, c'est accepter de se faire violence pour ne plus être incrédule, pour enfin croire dans ce que Dieu nous a dit, pour retrousser les manches et travailler. Si vous voulez l'onction, si vous voulez servir Dieu avec réussite, il faudra beaucoup travailler. Le travail est le résultat de notre foi. C'est parce que j'y crois que je me mets à l'œuvre. C'est parce que j'y crois que j'entreprends. Entreprendre, c'est accepter de se diriger vers ce que nous croyons être vrai et juste. Si vous attendez que Jésus vienne et vous attrape au lasso et vous tire vers lui dans la carrière, vous pouvez attendre longtemps. Dieu vous dit « Viens » et il vous donnera le pouvoir de venir. Personne ne pourra bloquer votre chemin. Vous pourrez vous trouver dans une foule nombreuse, dans une foule dense, où il n'y a même pas un chemin à se frayer. Si Dieu vous dit « Ouais, tu dois faire ça », au moment où vous faites le premier élan, le chemin s'ouvrira. Mais personne ne marchera à votre place. Personne ne fera les actes de foi à votre place. Personne ne pourra s'engager à part vous. Si Dieu me dit que je dois faire quelque chose, c'est moi qui dois le faire. Il faut s'engager. Il faut entreprendre dans le sens de ce que Dieu nous a dit de faire. Il faut avoir des idées. Il faut commencer à mettre en place des projets. Et il faut construire avec les matériaux prophétiques. La prophétie est un matériel extraordinaire pour construire ma réussite. Il y a des prophéties qui doivent s'accomplir d'eux-mêmes et où nous ne pouvons rien faire. Et il faut attendre Dieu. Mais il y a des prophéties qui nous engagent nous-mêmes. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il est question dans la nouvelle alliance de s'emparer des choses. Il est question de s'emparer parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, s'emparer des choses, c'est manifester la foi et réjouir le cœur de Dieu. Quand le Seigneur voit que nous y croyons, alors il est réjoui et il est disposé à barrer la route à tous ceux qui voudront nous barrer la route. Quand je me mets en mouvement, l'armée des cieux est en mouvement. Savez-vous qu'il y a une armée qui est aux ordres de Dieu et qui observe le mouvement de l'homme? C'est quand l'homme se met en mouvement dans la foi
que l'armée des cieux se met en mouvement pour protéger la foi et les actes de foi. Ce que vous allez commencer à faire va être sous la protection de Dieu et personne ne pourra vous empêcher. Mais il faut beaucoup travailler, il faut forcer, il faut s'engager, il ne faut pas rester assis à rien faire. Dieu parle, il envoie son esprit pour vous parler, il envoie ses serviteurs pour vous parler, il me parle et il envoie son esprit pour me parler dans mon intimité lorsque je prie. Mais si je ne m'engage pas, si je ne fais pas un acte de volonté personnelle, rien ne se passera. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Entreprendre. Oh, nous n'entreprenons pas n'importe comment. Nous entreprenons sur la base de ce que Dieu nous a révélé et demandé de faire. S'il ne vous a pas demandé de le faire, ne le faites surtout pas. Ne forcez pas dans des directions que Dieu ne vous a pas montrées. Il faut forcer dans la direction que Dieu nous montre. Il faut forcer dans la direction du réma que Dieu nous donne. Si Dieu t'a convaincu que ce qu'il est écrit dans la fin de l'évangile de Marc te concerne, ils imposeront les mains aux malades, non pas simplement les pasteurs, mais ceux qui croiront. Si tu penses que tu peux être de grand secours à un malade et prier pour lui, tant que tu ne feras pas la démarche, le malade sera jamais guéri. On dit toujours que c'est Dieu qui fait que l'homme n'y est pour rien. C'est un peu faux. Nous y sommes pour quelque chose. Notre responsabilité. C'est facile de nous dédouaner en disant c'est la responsabilité de Dieu. Dans ce texte, le Seigneur nous rappelle notre responsabilité. Et peut-être nous vieillirons et nous regarderons derrière nous et nous dirons encore 10 ans sont passés et rien ne s'est produit. Seigneur, je doute. Seigneur, m'as-tu vraiment parlé? Oui, je t'ai vraiment parlé. Mais qu'as-tu fait, toi? Qu'as-tu fait? Je disais à quelqu'un aujourd'hui que les clés de la réussite, quand nous commençons à entreprendre, il y a l'apprentissage personnel, sa communion avec Dieu. Prier, préparer son cœur, écouter le Seigneur, s'équiper en apprenant de la parole, en apprenant techniquement aussi si on doit faire de l'informatique, si on doit faire de la musique, je ne sais quoi. Il y a la partie équipement personnel. Ensuite, il y a la partie communion. Et dans cette partie communion, nous trouvons une chose très importante dans la parole de Dieu, c'est d'être au contact avec quelqu'un qui est loin et qui a réussi dans le domaine que nous allons entreprendre. C'est d'être au contact avec des gens qui ont réussi dans le domaine que nous voulons entreprendre et d'être au contact avec les hommes de Dieu qui ont une onction à nous transmettre. L'intelligence et le savoir-faire se transmettent par l'onction. L'onction du Saint-Esprit. Et puis, il faut dégager du temps. Le timing. Il faut dire, ok Seigneur, tu m'as demandé de faire quelque chose, donc j'y vais. J'y crois. Donc je m'engage dans quoi? Première chose, l'apprentissage. Deuxième chose, être au contact de quelqu'un qui vous bénira et qui vous fera avancer. Donc, aussi des hommes de Dieu. Et troisième chose, le timing. Et on pourrait mettre le timing en premier, finalement. Dégagez du temps et ne vous laissez pas voler le temps précieux qui appartient à la construction de ce que Dieu vous a demandé de faire. Il y a des gens qui disent « Ok, j'y vais !» et ils n'ont jamais le temps. Ils ne dégagent jamais de temps pour ça. Oh, ils disent « J'apprends !» Ok, j'apprends. Ok, je suis auprès d'un homme de Dieu. Oh, je reçois. Oh, techniquement, maintenant, je m'en sors. Mais il faut le faire. Il faut donc dégager du temps pour commencer à rentrer dans l'œuvre.
Forcer les portes du royaume, c'est arriver avec ces trois intentions. Dire je vais récupérer le temps que Satan me vole, que la télévision me vole, que le monde me vole, que la société me vole, que Facebook me vole. Je vais récupérer du temps là, ici, pour agir, non pas pour qu'un autre le fasse, pour que moi je le fasse, que je commence à travailler, que je commence à produire. À produire des documents informatiques si Dieu m'appelle à ça, à jouer de la musique si Dieu m'appelle à ça, à prêcher l'évangile si Dieu m'appelle à ça. Commencer à rentrer dans l'exercice. Il y a des gens qui apprennent toute leur vie et qui n'exercent jamais. Oh, ça c'est pas forcer les portes du royaume des cieux. Il y a des gens, ils sont tout le temps en train d'apprendre, ils n'exercent jamais. À quoi ça sert? Dieu préfère voir des gens qui commencent à agir, même s'ils ne sont pas encore tout à fait équipés. Oh my God, il y aurait tellement de choses, retenez cela. Le timing que vous allez dégager, non pas du timing pour apprendre, non pas du timing du temps pour être auprès d'un homme de Dieu ou un homme qui sait faire. Non, ça c'est pour recevoir. Maintenant, vous, il faut donner. Le temps que vous allez dégager pour commencer à dire je commence. Du temps dégagé pour commencer. Une vision d'être auprès d'un homme loin qui me communique une puissance spirituelle. Être aussi auprès des gens qui ont réussi. Il y a des gens, ils veulent commencer quelque chose et ils sont toujours collés avec des gens qui ont fait des échecs. Vous savez, il y a des gens spécialistes. Ils ont toujours échoué. Pourquoi? Peut-être parce que Dieu ne leur a jamais demandé de faire. Ils se sont obstinés pour faire une chose et ça échoue tout le temps. Peut-être Dieu ne leur a jamais demandé. Ou peut-être parce qu'ils n'ont pas su être conseillés par un homme de Dieu. Peu importe, ils échouent. Mais ils ont beaucoup appris. Et ils ont tellement persévéré dans leur échec à qu'ils en connaissent un rayon. Alors ils vont aller et ils vont attraper ceux qui veulent faire ces choses qu'eux-mêmes ont échoué, dans lesquelles eux-mêmes ont échoué. Un aveugle conduira un autre aveugle dans la fosse. N'allez pas avec les gens qui ont échoué. Bénissez-les, exhortez-les, priez pour eux. Mais ne cherchez pas à puiser de quelqu'un qui est dans l'échec. Puiser de quelqu'un qui est dans la réussite. C'est tellement logique. Alors il faut aller auprès de ceux qui ont réussi. Il faut regarder les exemples de ceux qui ont réussi. Et vous savez, ceux qui ont réussi sont très critiqués. Et le diable fera toujours en sorte que vous vous écartiez de ceux qui ont réussi par la critique. Écoutez, ceux qui ne réussissent pas, c'est curieux, ils ne sont jamais critiqués. Et on ne vous empêchera jamais d'aller vers eux. Mais ceux qui ont réussi sont entourés de critiques et de méchanceté et de médisance. Parce que le diable a horreur que le chrétien réussisse. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse.